Bonjour les amis, c'est Axel Braise. Aujourd'hui pour ce nouveau prank, j'ai mis sur le bon coin ce pistolet en plastique. Je ne l'ai pas précisé à l'acheteur. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup d'acheteurs, mais un m'a dit que c'était pour tuer quelqu'un. Alors je vais essayer de le raisonner. Je l'ai mis à 300 euros sur le bon coin. L'acheteur va arriver dans quelques instants. Regardez ce prank, c'est parti. Bonjour. Bonjour, c'est le bon coin, c'est toi? C'est le bon coin, c'est vous? C'est pour l'arme, le pistolet, là. Oui. Ouais. Vous avez l'argent? Ouais, j'ai l'argent, tiens, tu les veux maintenant? C'est vraiment une arme qui tire. Oui, c'est une arme qui tire, mais... Par contre, est-ce que... moi, j'ai besoin de savoir s'il n'y a pas de traces. Je veux savoir s'il est clean. Est-ce qu'on peut remonter à moi ou est-ce qu'il a déjà servi, tu vois? Non, on ne pourra pas remonter à moi, il n'a jamais servi. Hein. Non, mais à moi, on pourra remonter à moi ou pas? Bah non plus. Parce que... Oula, attention, il y a des flics là-bas, non? Non, monsieur, il n'y a rien. Ouais, parce que... Parce que moi, j'ai pas envie que ça remonte à moi. Mais ça remontera pas à vous, mais c'est pour faire quoi? Comme je t'ai dit, là... C'est pour tuer quelqu'un? Ouais, comme je t'ai dit, c'est pour tuer un gars, voilà. Il y a une sale histoire, tu vois. C'est le voisin, ça fait des années. Il me saoule, là, avec son chien qui chie dans mon jardin. Pourquoi vous voulez le tuer? Parce que son chien, il chie dans mon jardin. Ça fait trop longtemps. En plus, la dernière fois, je lui ai dit à son chien de rester tranquille. Il m'a dit qu'il lui mettrait des médicaments, qu'il lui, il allait lui recoudre les fesses, j'en sais rien, là. Et puis il continue à chier dedans, quoi. Mais. Et il m'a dit, de toute façon, c'est quoi? Il m'a dit, si c'est pas mon chien, c'est moi qui vais te chier dessus. Bah, déménage-là, comme ça, vous aurez plus de problème. Ah non, je vais le goumer, je vais le défourailler, le mec. Bah, le pistolet. Il a regardé de travers. Tenez, quoi, mais. Ah. Mais le principe, là, c'est. Allez-y, tenez. Mais... Il a l'air léger, par contre, ton flingue. Ah, il est hyper léger. Mais voilà, ce qui m'embête, ouais, c'est un vrai flingue, ça. Si c'est pour tuer quelqu'un, ça m'embête de vous le vendre quand même, quoi. Mais il est bizarre ton flingue, hein. Bah oui, c'est un flingue. C'est un jouet. C'est du plastique, ça, non? Oui, c'est un jouet. Quoi, c'est un jouet? Bah, c'est un jouet. Je comprends pas. C'est jouet, c'est la marque du flingue. C'est quoi un jouet? Pourquoi tu me ramènes un jouet? C'est un jouet que si vous tirez, il y aura pas de trace. Moi qui ai dit, faut que je tue quelqu'un, là, faut que je tue le voisin. Bah, vous m'avez contacté pour. Tu me ramènes un flingue en plastique, là? T'as cru que c'était pour jouer avec les gamins ou quoi? Bah, vous m'avez contacté pour ce flingue-là, monsieur, dans l'annonce, c'était... Non, mais je l'ai mis où, les balles, là? Les balles, vous devez... Ah, tu me fais déplacer, pourquoi, garçon? Bah, c'est un flingue, monsieur. Il faut que je le tue, le mec. T'as quoi? T'as un couteau? Une corde? Vous m'avez contacté pour le flingue, monsieur. Un bout de ficelle? Mais ce n'est pas... De toute façon, ce n'est pas bien de tuer, monsieur. Vous allez finir en prison. Comme c'est pas bien de tuer? Mais vas-y, on s'en fout. T'es condé ou quoi? Bah, vas-y. Non, mais si on fait pas vite, là, il va arriver, donc prenez-le moi et puis donnez-moi l'argent. Donc je peux le prendre, c'est bon. 300 euros, monsieur. Ouais, mais il est en plastique, ton truc, ça tire pas. Y a 300 pas, euros. Y a pas la rideau de la recharge. 300 euros. Quoi, 300 euros? Ah, parce que 300... tu crois que je vais te donner de l'argent? Bah oui, monsieur, vous savez. Non, j'ai pas d'argent, moi j'avais prévu de te tuer. Et il marche pas, donc... Attends, les flics